Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. On a 4 policiers mis en examen pour violence volontaire, un d'entre eux également pour viol, même s'il conteste ses accusations de viol. La justice veut aller vite dans l'affaire d'Aulnay. La victime, Théo, 22 ans, est toujours à l'hôpital. Et cette nuit encore, on en parlait, il y a eu des incidents violents à Aulnay-sous-Bois. Bonjour Frédéric Lagache. Bonjour. Déjà, quelles sont les informations dont vous disposez, en restant prudent évidemment, sur ce qui s'est passé cette nuit à Aulnay? Oui, parce que mes collègues sont encore sur le terrain. J'ai eu des informations qui viennent de m'arriver à l'instant, où des collègues auraient été pris à partie par une bande de jeunes. Un véhicule, le chauffeur du véhicule de police a été extirpé, rapidement, parce que tout simplement, des jeunes auraient lancé de l'essence dans le véhicule, un jet de cocktail Molotov, et fort heureusement, notre collègue n'est pas blessé. C'est le même genre de scénario, reste prudent, mais que ce qu'on a connu à Viry-Châtillon? On est malheureusement toujours dans les mêmes scénarios, où l'objectif est de tuer du flic, quoi. Et ça, c'est quand même inadmissible. On ne peut pas forcer la justice à donner des sanctions par la violence. Ça, c'est inacceptable. Il faut laisser faire la justice, tout simplement. On est d'accord que les comportements de délinquants, voire de criminels, sont totalement inacceptables. Ça dit, tout cela est parti de l'affaire Théo, comme on l'appelle maintenant, ce jeune homme qui vaut d'ailleurs à 4 policiers d'être suspendus de leurs fonctions en ce moment. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Vous dites pardon à ce jeune homme pour ces policiers qui sont peut-être des brebis galeuses qui saluent l'image de l'ensemble de la profession ou pas, Frédéric Lagache? Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pas pour excuser des collègues qui auraient commis un fait criminel, inacceptable par ailleurs. Bon, mais si je suis là aussi devant vous, ce n'est pas pour accuser des collègues qui n'auraient pas commis cet acte criminel. Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser faire la justice, en toute sérénité. On n'est pas là ici pour faire le procès avant le procès. Ce n'est ni aux médias, ni aux politiques de forcer la justice pour, donner un sentiment que nos collègues auraient commis un acte irréparable. Mais quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, suspend vos 4 collègues, il a raison de le faire ou il se précipite, selon vous? Je pense que, au vu des éléments qui ont été portés à notre connaissance, et je rappelle que notre organisation n'est pas intervenue de suite dans cette affaire, contrairement à certains. Pour la simple raison que nous avons attendu d'avoir des éléments pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et selon nos informations qui ont été portées à notre connaissance, alors je parle bien sûr au conditionnel, il n'y aurait pas eu ce viol. Les éléments de la vidéo, non pas celles qui passent dans les médias, mais celles dont les enquêteurs disposent. Bon, que vous avez vu ? Que je n'ai pas vu, mais que, bien évidemment, les concernés ont vu, leur avocat a vu, détermine clairement qu'il n'y a pas eu une intention de commettre l'irréparable. Alors, ce qu'on va faire. Le fait est un fait, malheureusement, mais purement accidentel. On va écouter le témoignage de Théo, c'était hier sur son lit d'hôpital, et on précise que c'est son avocat qui a enregistré cette conversation. On l'écoute, puis on vous retrouve juste après, Frédéric Lagache. Je croise des jeunes du quartier, je viens pour leur serrer la main, et lorsqu'ils arrivent là-bas, les policiers arrivent en même temps. Et là, les policiers disent tous contre le mur. Et ensuite, ils disent sortez tous vos cartes d'identité. À ce moment-là, moi, j'ai dit ma carte d'identité. Et les deux premiers qui sortent leur carte d'identité, et le troisième qui était à ma droite, il n'avait pas sa carte d'identité non plus. Et là, le policier lui le pousse et lui met une grosse gifle. Et à ce moment-là, moi, j'attrape ses roues, je le tire vers moi. Et lorsque je fais ça, le collègue du policier qui est derrière, qui s'approche de moi en disant « Tu vas faire quoi d'un tout provocateur ?» Et là, moi, je réponds pas parce que je sais comment ils sont, les policiers. Et là, ils m'ont assommé d'un coup. Et lorsqu'ils m'ont frappé, moi, j'ai tout de suite pensé qu'il faut que j'aille où il y a les caméras. Sinon, je vais passer pour un menteur. Lorsque j'arrive à me débattre pour aller vers les caméras, moi, il m'attrape à 3. Pendant ce temps-là, l'autre policier qui est là, leur collègue, il est en train de virer tout le monde. Et là, le policier qui était en train de virer tout le monde, il revient vers moi, il baisse son pantalon et il enfonce un truc dans mes fesses. Lorsqu'il fait ça, moi, je me sens comme si mon corps m'a abandonné. Donc, je tombe vers l'avant. Et de là, ils mettent les menottes. Et là, un policier, il me dit clairement, attends, ici, il y a les caméras. Viens, va derrière le mur là-bas, on va lui faire sa fête. Il me ramène derrière le mur, il commence à me passer à tabac encore. Il me frappe. Et c'est quand il me ramène dans la voiture qu'il m'insulte tous les noms. De négro, bamboula,
le salade, tous les noms. La voiture, on a eu plein de coups, des patates. Et voilà, jusqu'au commissariat après, il y avait un policier qui était plus sympa, qui a tout fait pour que, voilà, que j'aille mieux. Il a vu que j'arrivais pas du tout à respirer, je convulsais beaucoup. Et je dis, bon, allez, appelez Samu. Lorsque Samu il arrive, moi, pour moi, j'étais en train de mourir, j'étais en train de laver la mort. Samu me retourne, il regarde la plaie. Il dit, ah non, là, c'est très grave. Il y a au moins 5-6 cm d'ouverture. Là, il faut l'opérer le plus rapidement possible. Le coup de bâton dans les fesses qu'ils m'ont mis, ça m'a marqué à vie. C'est très, très, très difficile. Là, physiquement, je suis très, très diminué. Je n'arrive même pas à bouger. La nuit, je dors même pas la nuit. Si je n'ai pas de morphine, si je n'ai pas des médicaments pour dormir, je ne dors pas la nuit. Et la nuit, elle est très, très longue. Et là, je n'arrive pas du tout à dormir, pas du tout. La nuit, à chaque fois que je bouge, je repasse à la scène. C'est un truc invivable. Voilà pour ce témoignage de Théo, recueilli, je le redis, par son avocat, Maître Dupont-Moretti. C'est un garçon qu'on ne connaissait pas plus que vous avant, pas d'antécédents judiciaires. C'est le grand frère dans la cité et il a été animateur de la mairie. Même Bruno Béchiza, le maire de Nessoubois, qui est un de vos anciens collègues, prend la défense de ce jeune homme. Vous nous parliez de coups accidentels. Il a une plaie longitudinale du canal anal, pardon de reprendre les termes exacts, de 10 cm et une section du muscle sphinctérien. Est-ce que c'est compatible avec un coup de matraque accidentel? Écoutez, je n'étais pas et je ne suis pas enquêteur dans cette affaire. Et comme je vous l'ai dit, je trouve je trouve inacceptable quand même qu'on puisse faire le procès avant le procès. On fait pas le procès là, on pose des questions. Je ne parle pas de vous, mais ce que j'entends là, je préférerais que ça se passe devant un tribunal pour que mes collègues puissent se défendre. Je rappelle qu'un viol, c'est passible de la cour d'assises, donc ce n'est pas rien. Ce sont des faits inacceptables. Et ce que je veux vous dire, c'est que, toujours pareil, selon mes informations, il y a une vidéo. Bon, cette vidéo a été mise sous scellé. Les enquêteurs ont pu regarder cette vidéo, que ça soit l'IGPN, que ça soit le parquet. Je rappelle que ces deux institutions, que sont l'inspection générale de la police nationale et le parquet du 93, sont des institutions qui ne sont pas complaisantes envers les policiers, envers les violences policières. Et ces deux institutions ont vu cette vidéo. Selon, je le dis toujours, c'est les informations que j'ai eues à disposition, il aurait été fait 20 arrêts, une vingtaine d'arrêts sur image sur cet acte. Ils ont pu constater que les faits qu'on dénonce aujourd'hui ne sont pas faits de manière intentionnelle. Ce sont les enquêteurs qui auraient déterminé que les faits n'étaient pas des faits intentionnels. Il y aurait peut-être, avec la gâche, une façon, et ça sera ma dernière question, de régler tout ça. Est-ce qu'il faudrait équiper de caméras qui filment en continu les policiers sur le terrain ou pas? Est-ce que ça peut être une bonne idée, ça? Écoutez, ça fait des années qu'on nous pose cette question. Je rappelle que certains de nos collègues ont la caméra, vidéo, sonore, et que pour l'intérêt de nos collègues, bien sûr qu'on ne voit pas d'opposition à ce que les collègues soient munis de caméras vidéo et sonores. Ça réglerait bien évidemment ce genre de problème. Mais je rappelle quand même que sur cette intervention, du début à la fin, elle a été filmée par les vidéos de la ville. Et je crois qu'il va falloir attendre les suites de cette affaire pour s'apercevoir qu'il n'y a pas eu viol dans cette affaire. Ça, la justice le dira. Votre collègue accusé et mis en examen pour viol conteste cette accusation? Bien sûr, parce que si je le dis... Et il a déposé plainte également. Il a déposé plainte, bien d'accord. Sûr qu'il a déposé plainte pour outrage, rébellion et violence à agent. Parce que l'intervention n'a pas été facile non plus pour extraire cette personne face à une dizaine d'individus qui voulaient en découdre avec nos collègues. Merci beaucoup Frédéric Lagage d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et on suivra donc évidemment l'évolution de l'enquête et on entendra ce que dira la justice. Merci et bonne journée à vous.